Bonne année! Bonne année à vous aussi! Bonne année à Brad Pitt! Bonne année à Jennifer Aniston! Bonne année à mon Johnny Depp! Ce qu'on peut me souhaiter pour 2007, j'aimerais beaucoup que 2007 soit au moins aussi bien que 2006, que je continue comme ça à avancer, à réaliser mes rêves, à être entourée de tous mes amis et de ma famille, parce que c'est quand même ce qui est le plus important. Et que vous continuiez à bien m'aimer, pour ceux qui m'aiment bien. Je vous embrasse. Alors premièrement, à tous les internautes de public.fr et de Yahoo, une bonne année, mais pas n'importe quelle bonne année. Mon souhait serait que vous disiez « je t'aime » à toutes les personnes que vous aimez. Et de ne plus avoir de pudeur et puis de leur dire parce que ça va leur faire super du bien. Et puis voilà, c'était juste pour se dire qu'on s'aimait et puis qu'on s'appréciait et qu'on se souhaitait la plus belle année en se disant des mots d'amour. Bah, bonne année à tous les lecteurs de public, à tous les internautes. Voilà, que tous vos vœux se réalisent et que cette année soit riche en émotions, en amour, en amitié et en réussite. Je me souhaitais d'arrêter de fumer, de faire un bel album. Voilà. Bah écoutez, que mes enfants soient en pleine forme et qu'on continue à faire de belles fêtes avec tous mes amis. Que tous mes projets se réalisent, déjà la santé, et qu'est-ce que je souhaite à le public. Et tout simplement que 2007 serait sous l'auspice de la tolérance et de la liberté. Que ce soit une année où la douce harmonie de la musique accompagne le monde. Le challenge pour 2007, surtout pas changer. Surtout ne pas changer, voilà, c'est tout. Pourvu que ça dure. De continuer aussi dans la foulée et de continuer à contenter le public surtout. Et les gens qui sont en quête d'informations et qui veulent une information de qualité, moi c'est ce que j'essaye de faire. Et bon, voilà, tant que ça fonctionne, très bien. À la belle, Jean, que Public Télé, je vous souhaite vraiment du fond du cœur une excellente année 2000. Quelle année qu'on est ? 2007, vraiment. Une bonne année à tous les lecteurs du Public. Alors, bonne année à Public. Je souhaite une excellente année à Public TV et au magazine Public. Les internautes de public.fr, je vous souhaite une très très bonne année, je vous dis à très très vite et j'espère que l'année 2007 se passera aussi bien que la fin d'année 2006 et je vous dis à très bientôt pour de prochaines et belles aventures, j'espère. Bye. Je vous souhaite une bonne année Public TV, ciao. L'homme le plus vu en 2006 est Tom Cruise, bien évidemment. Entre sa relation avec Cathy, leur bébé souris et leur mariage en Italie, l'acteur et sa famille a squatté les médias, selon le magazine Access Hollywood. Mais que pourra-t-il bien nous montrer en 2007 ? Son divorce ? C'est un véritable exploit. Lindsay Lohan a réussi à ne pas boire une goutte d'alcool pendant toute une soirée. Inscrite aux Alcooliques Anonymes, l'actrice a fait preuve de volonté pour ne pas succomber à la tentation. Bluffée par son comportement, ses amis l'ont même applaudi à la fin. Un véritable exploit, on vous dit.